Alors, mes chers élèves, est-ce que vous êtes là? Je suis désolée, la connexion aujourd'hui, ça marche pas bien, mais on essaie quand même de terminer le cours, d'accord? Alors, est-ce que vous avez compris la différence entre la conjugaison du verbe choisir et servir? Je m'excuse auprès des autres élèves qui n'ont pas pu continuer à suivre le cours à cause de cette interruption de la connexion. Alors, Youssef et Maria, vous êtes toujours là, merci. Alors, on continue. On va classer les verbes selon leur terminaison. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ça, c'est ça ce qu'on appelle la terminaison. Les deux dernières lettres du verbe à l'infinitif. D'accord? Alors, c'est quoi les terminaisons? Comment on peut classer les verbes qu'on a trouvés tout à l'heure selon leur terminaison? Est-ce que ma question est claire, Maria et Youssef? D'ailleurs, je te félicite, Youssef, parce que tu fais la révision. Tout seul à la maison, c'est très bien, bravo. À chaque fois qu'on fait la révision à la maison, le cours devient facile en classe et on comprend tout ce que la maîtresse ou bien le maître nous explique en classe. Parfait. Alors, je réponds à cette question, c'est facile. On peut classer les verbes selon la terminaison des verbes qui se terminent par ER. Voilà, je l'ai marqué en rouge. Comme préparer, réaliser, laver, éplucher, couper, saupoudrer. Et puis, il y a des verbes qui se terminent par IR, comme choisir, servir. Et on a dit que, d'après la question numéro 4, que même si choisir et servir se terminent avec la même terminaison, je ne les conjugue pas de la même façon. Leur conjugaison est différente. D'accord? Alors, je peux dire qu'ici, j'aurai deux groupes. Des verbes qui se terminent par IR et qui se conjugue comme choisir, voilà, qui prend ces terminaisons-là, et des verbes qui se terminent par IR, mais qui se conjuguent différemment, d'une autre façon, qui est différente de la conjugaison du verbe choisir. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair, mes chers élèves, Maria et Youssef? Est-ce que vous m'entendez bien, Maria et Youssef? Très bien, Maria. Alors, on termine. J'espère que les autres arrivent à nous rejoindre une nouvelle fois. Alors, on passe directement à je retiens. D'accord? Alors, avant de lire je retiens, on a vu dans j'observe et j'élabore que les verbes à l'infinitif. Youssef, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je dis je ne comprends rien. D'accord? Je ne comprends rien. Je ne comprends
Rien. Est-ce que j'ai parlé assez vite? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Youssef? La cinquième question. Alors, on va revenir sur cette question. Alors, qu'est-ce qui est demandé? Classer. Classer, ça veut dire mettre en groupe qui ont la même terminaison. Est-ce que c'est clair, Youssef? Je vais mettre dans un groupe les verbes qui se terminent par ER. Et ce sont les verbes du premier groupe que vous avez vu en CE1, c'est ça? Et puis, on a un autre groupe des verbes, voilà, dans ce texte qu'on a trouvé dans le texte, bien sûr, qui se termine par IR, voilà. J'ai classé les verbes selon les terminaisons. Tu comprends maintenant, Youssef? Est-ce que c'est clair maintenant pour la question 5? Voilà. Très bien, Youssef. Alors, je retiens. Le verbe a plusieurs formes. Le verbe, il a plusieurs formes. Je peux trouver le verbe dans la phrase sous plusieurs formes. Il y a la forme conjuguée. D'accord? Je mange, tu manges. Je chante, je révise, tu révises. D'accord? Avec plaisir, Youssef. On est là pour comprendre et je suis ravie que tu arrives à comprendre la question 5. Très bien, Youssef. Je suis fière de toi. Alors, on a dit que les formes du verbe sont la forme conjuguée. Et je vous ai expliqué c'est quoi la forme conjuguée. Je mange, Karim va à l'école, va c'est un verbe conjugué, etc. Puis, il y a la forme invariable et c'est l'infinitif. Voilà. La forme invariable, ça veut dire qu'il ne change pas. Si je change le temps, le verbe qui est à l'infinitif reste à l'infinitif. Il ne change pas. Si je change le pronom personnel de conjugaison, le verbe qui est à l'infinitif, il reste comme il est. Il ne change pas. D'accord? C'est la forme originale du verbe. Et lorsque je veux chercher dans le dictionnaire, je cherche le verbe à l'infinitif. D'accord? Et la terminaison du verbe à l'infinitif permet de déterminer à quel groupe il appartient. Alors, on a trois groupes dans la conjugaison. Trois groupes. D'accord? Pas plus, pas moins. Vous avez vu en CE1 les verbes du premier groupe. Ce sont les verbes qui se terminent par ER, d'accord? Et vous avez vu que aller, le verbe aller n'appartient pas à ce groupe, même s'il se termine par ER, d'accord? Qui peut me donner la conjugaison du verbe aller? Réfléchissez bien et donnez-moi la conjugaison du verbe aller. Je, tu, il, nous, vous, il avec S. Ce verbe, vous l'avez rencontré l'année dernière, d'accord? Je veux la conjugaison de ce verbe au présent, bien sûr. Allez, Youssef et Sarah.
Et Maria, pardon, pardon Maria, et Maria. J'attends vos réponses, mes chers élèves. J'ai dit que le verbe aller, qui se termine par er, n'appartient pas au premier groupe. D'accord? Bonsoir, Rihem, c'est ça? Bonsoir, ravi. Rejoins enfin. Oui. Très bien. Enfin, j'ai cru que vous avez quitté la diffusion directe. Merci beaucoup. Oui. Yasser, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont Yasser avec un T. Voilà, tu as corrigé, très bien. C'est une faute de clavier, c'est ça? Très bien, Youssef, je vais, tu vas, il va. Oui, Rihem, bienvenue, ma chère. Alors, Rihem, est-ce que tu connais la conjugaison du verbe aller au présent? Rihem, tu es en CE2, c'est ça? Rappelle-moi s'il te plaît parce que j'arrive pas à maîtriser tout. Très bien, Yassir, tu as corrigé. Yassir, oui, c'est ça. Younes, je vais très bien. Alors, vous voyez qu'il ne suit pas la règle des verbes du premier groupe. Maintenant, comme petit rappel, écrivez-moi les terminaisons du verbe du premier groupe au présent. Juste les terminaisons, ce que j'écris à la fin du verbe conjugué au présent, verbe du premier groupe. Oui, Maria, je vais très bien. Bravo Younes, bravo Maria, bravo Jalel, très bien. Alors, c'est clair. Maria, c'est quoi S? Tu vas, oui, tu vas avec S, très bien. Nous allons, vous allez, ils vont, très bien. Alors Rihem, tu es en CE2 ou bien en CE1? Oui, Yassir. Oui, Jalel, tu as commencé. Oui, je mets un E à la fin. J'enlève ER, la terminaison de l'infinitif, et je mets à sa place les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Très bien, Yassir. Younes, tu vas. Oui, c'est correct. Très bien. Jalal, tu termines la liste. Très bien. ES, il, E, nous, ONS. Voilà. Très bien, Maria. Je crois que c'est une faute de frappe. Z pour vous. D'accord? Younes, il va. Maintenant, Younes, on cherche les terminaisons des verbes du premier groupe conjugué au présent. C'est quoi les terminaisons de ces verbes? Au présent, bien sûr. Très bien, Jalel. ONS pour nous, oui. Et EZ pour vous. Et enfin, ENT.
Younes, vous allez, correct. Même s'il y a un petit décalage entre nous, je crois. Très bien. Alors, la plupart, ou bien vous tous, très bien, Younes, il vend, oui. Voilà, alors, là, les terminaisons des verbes conjugués au présent, des verbes du premier groupe qui sont conjugués au présent, c'est E pour le pronom personnel je, ES pour le pronom personnel tu, E pour le pronom personnel E, ONS pour le pronom personnel nous, EZ pour le pronom personnel vous, et enfin ENT pour les pronoms personnels il et elle. Voilà. Alors je passe à je retiens. Alors, les verbes de deuxième groupe, ce sont des verbes en IR, qui ont la terminaison IR, qui se termine par IR, et quoi d'autre? Et qui se termine par ISON. Et qui se termine par ISON, pardon, à la première personne du pluriel au présent. Ça veut dire, si vous trouvez quelque part, dans une phrase par exemple, un verbe qui se termine par ISONS avec le premier personne, le premier, la première personne du pluriel, au présent bien sûr, vous allez déduire que c'est un verbe de deuxième groupe. D'accord? Et là, on a des exemples. Très bien, Younes. Oui, ce sont les terminaisons du verbe du premier groupe. Très bien. Comme finir. Finir, on dit nous finissons. Choisir, on dit nous choisissons. Qui peut me donner un autre exemple similaire à ces deux exemples-là? Des exemples de verbes qui se terminent par -ison avec nous. Allez, certainement vous connaissez quelques verbes de deuxième groupe. Et c'est pas grave, si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Je répète toujours qu'on est là pour apprendre. Et tout le monde apprend de ses fautes. Une chose, mes chers élèves, vous devez à partir de cette année avoir un livre de conjugaison chez vous à la maison. Comme ça, vous pouvez réviser les verbes, comme vous pouvez chercher la conjugaison de n'importe quel verbe dans ce livre-là. Alors, Maria, non, Jalel, je crois que tu veux écrire bâtir. Bâtir, ça veut dire construire des maisons. Bâtir. C'est ça, Jalel. Voilà, c'est bâtir. Allez, tu conjugues bâtir avec nous. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, en suivant la règle qu'on a vue. Nous, qu'est-ce qu'on dit? J'enlève la terminaison IR et j'ajoute. Alors, Maria, voilà, tu as supprimé la réponse.
Je voulais juste te corriger, mais bon, je crois que tu as compris que ce que j'ai demandé. Alors pour les autres, Younes, Yasser, qui d'autre? Riham et Youssef, je crois, je sais pas où il est passé Youssef. Youssef, tu es toujours là? Yasser, Younes, voilà. Le verbe croître. Alors, Yasser. Croître, il ne se termine pas par IR. Tu le remarques bien. C'est ça? On cherche des verbes qui se terminent par IR et qui ont comme terminaison avec la première personne du pluriel, nous, ISSONS. Issant, choisissant, finissant. Alors, un verbe qui a à peu près le même sens que croître. Très bien, Jalel. Nous bâtissons des maisons. Oui. Alors, Yassir, on peut dire à la place de croître, on peut dire grandir. Allez, tu me dis nous, grandir. Tu le conjugues. Oui, Younes, réfléchir. Qu'est-ce que je dis avec nous? Appliquez la règle et écrivez-moi ce verbe conjugué avec nous. Grandir et réfléchir comme votre camarade Younes vient d'écrire. Réfléchir. Nous. Qu'est-ce qu'on dit, mes chers élèves? Nous. Le volume. Alors, Youssef, tu ne m'entends pas bien? Je crois que c'est à cause de la connexion. Voilà, Yassir, très bien. Punir, nous punissons. Jalel, oui, nous grandissons. Très bien. Voilà, tout ça, ce sont des verbes de deuxième groupe. Tout comme finir et choisir. Donc, c'est on arrive à. C'est pas grave, Maria. Je vous incite à utiliser votre imagination et trouver des verbes. Peut-être que tu as rencontré un verbe qui a cette forme. Alors, je veux que vous réfléchissiez un petit peu, mais c'est pas grave. Vous aurez ce cours cette année. Et voilà une initiation. Les verbes de deuxième groupe, ce que tu dois retenir, Maria, c'est que les verbes de deuxième groupe se terminent par IR. D'accord? Et quoi d'autre? Il ne suffit pas qu'un verbe se termine par IR pour dire que c'est un verbe de deuxième groupe. Est-ce que c'est clair, Maria? Il doit se terminer par -ison à la première personne du pluriel au présent. Le verbe conjugué au présent doit être sous cette forme, nous finissons, ou bien sous cette forme, nous choisissons. Il doit se terminer par -ison. Est-ce que c'est clair, Maria? C'est pas grave, ma chère. J'ai donné cette question en fait parce qu'on a des élèves, on a avec nous des élèves qui ne sont pas en CE2 mais en CM1, je crois, et CM2. Mais c'est pas grave, Maria. N'importe quelle information, tu peux la comprendre et tu peux la retenir. C'est clair, Maria? Alors, pour ne pas compliquer les choses, on passe au troisième groupe. Alors,
On a vu le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le troisième groupe? On trouve tous les autres verbes. Qu'est-ce que j'entends dire par tous les autres verbes? Les autres verbes qui ne se terminent pas par ER, sauf bien sûr aller, aller qui appartient au troisième groupe. Il se termine par ER, mais il appartient au troisième groupe. C'est une exception. Je dis que c'est une exception. Alors, Youssef, finissant très bien, bravo. Est-ce que c'est clair, Maria? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les verbes de troisième groupe, ce sont tous les autres verbes, sauf les verbes de deuxième groupe et les verbes de premier groupe, bien sûr. Et on a dit que aller appartient au troisième groupe. Parce qu'il ne suit pas la même forme des verbes du premier groupe lors de sa conjugaison. Alors, ici, on a des exemples des verbes de troisième groupe. On a le verbe mettre, le verbe prendre, le verbe lire, savoir, dire, partir, aller. Voilà, et la liste est encore longue. D'accord? Une dernière information. Dans le dictionnaire, les verbes sont donnés à l'infinitif. D'accord? Si tu veux chercher un verbe que tu trouves dans un texte, par exemple, si tu veux le chercher dans le dictionnaire, tu dois trouver son infinitif d'abord. Parce que dans le dictionnaire, on ne trouve que la forme infinitive du verbe. J'espère que c'est clair. Oui, Younes, on dit « nous réfléchissons ». Très bien. Réfléchir, nous réfléchissons. Voilà, on passe tout de suite aux exercices pour voir si vous avez bien compris la leçon. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Maria, vous avez vu la dernière année, l'année dernière, pardon, le verbe faire, ne faisant. Oui. Mais c'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est ça, Maria, tu es d'accord? Faire. D'après ce qu'on a vu dans la rubrique, je retiens. Le verbe faire, il appartient à quel groupe, Maria? Tu peux me répondre? Nous faisons, c'est le verbe faire, c'est ça? Alors, tu me dis, il appartient à quel groupe? D'après ce qu'on a vu tout à l'heure, tu peux classer faire dans quel groupe? Allez, Maria? Imen, c'est CE2. Bonsoir. C'est le cours de la conjugaison, l'infinitif, pour les élèves de CE2. Et plus, bien sûr. Alors, Maria, ma question c'est, à quel groupe appartient le verbe faire? Faire, il appartient à quel groupe, Maria? On a dit les verbes de premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller, c'est clair. Les verbes de deuxième groupe et se terminent par IR et se terminent par ISON à la première personne du pluriel au présent. Et les verbes du troisième groupe, ce sont tous les verbes
sauf ce qu'on a vu dans le premier groupe et le deuxième groupe. Merci à toi, Imen. Voilà, Younes, boire, c'est un verbe de troisième groupe. Oui, Yasser, verbe de troisième groupe, très bien. Imen aussi. Non, Maria. Est-ce que faire se termine par ER? Regarde bien, je l'ai envoyé. Regarde bien le verbe faire. Il se termine par quoi? Je t'écoute, Maria. Oui, Younes, vouloir aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Voilà, Maria, elle se termine par RE. Est-ce que les verbes du premier groupe se terminent par RE? Regarde ici. Je suis sûre que tu connais la réponse. Voilà. Donc, on est d'accord que le verbe faire est un verbe qui appartient au troisième groupe. Voilà, maintenant que tout est clair, on commence les exercices. D'accord? Maria, qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement? Oui, Younes, c'est un verbe de troisième groupe. Maria, est-ce que tu as compris ou non? D'accord, je crois que tu as compris. On va voir ça dans les exercices. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, on commence par le premier exercice. Voilà, souligne les verbes à l'infinitif. Souligne les verbes à l'infinitif. On a une liste de mots. On doit trouver les verbes dans cette liste. Bonsoir Hidaya. Très bien Maria. Je suis ravie que tu arrives à comprendre maintenant. Alors, on passe aux exercices. Vous êtes d'accord? Souligne les verbes à l'infinitif. On a apporter, nager, souper, agir, le dîner, dormir, un souper, goûter, le tapir, battre, l'oreiller, un devoir, faire, apprendre, venir, le goûter, dîner. Voilà. Youssef, il a déjà envoyé des réponses. Oui, apporter. Oui, c'est un verbe. Très bien, je souligne apporter. Les autres? Oh, pardon. Voilà, apporter. Pourquoi il se termine par ER? Voilà, c'est un mot tout seul. Il n'est pas précédé par un autre mot. Je comprends alors que c'est un verbe. D'accord? On a aussi nager. Les autres, j'attends les autres.
Très bien, Youssef. Oui, Hidaya, nager. Apporter, nager. Souper, est-ce que c'est un verbe? Oui, Yasser, tu as envoyé tous les verbes. Très bien. Hidaya, tu veux dire souper. Il te manque un O. Maria, apporter, nager, dormir. Il y a aussi agir. D'accord, Maria? Youssef, qu'est-ce qui est non? Ah, d'accord. Souper, c'est un verbe. Il y a le nom, un souper, il y a le verbe souper. Très bien, on a soupé. Voilà. Agir. Très bien. Alors, vous remarquez dans cette liste que j'ai des mots qui sont tout seuls et puis des mots qui sont précédés par les déterminants qu'on a vus dans le cours de la grammaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, mes chers, dans le cours de la grammaire, les déterminants? Quel genre de mot est précédé par un déterminant? C'est un nom, d'accord? C'est un nom. Donc, dans cette liste, alors Maria, souper, je vous explique c'est quoi souper, c'est prendre le repas du soir. C'est un verbe, Youssef. Et ça veut dire prendre le repas du soir. Et d'habitude, on mange la soupe au repas du soir pour les gens qui mangent léger le soir. D'accord? Oui, Maria. Souper est dérivé du mot soupe. Très bien. Ils sont des mots de la même famille. Bravo, ma chère. Une très belle information. Merci beaucoup. Alors, Youssef, c'est clair? Tout comme dîner, déjeuner. Voilà, on a un nom qui est le dîner et un verbe qui est dîner. Alors, on va souligner le reste du verbe. Alors, le dîner, c'est pas un verbe, c'est un nom. Je le sais parce qu'il est précédé par un déterminant. D'accord? Je ne vais pas souligner. On a dormir, comme vous m'avez envoyé. Très bien. Je dors, tu dors. Dormir, c'est un verbe. Un souper. Est-ce que je souligne un souper? Bien sûr que non. Il y a un déterminant devant. Voilà un. Et on a vu que c'est un mot qui précède les noms. Il va toujours avec un nom. D'accord? Puis on a goûté. Je goûte. Voilà. Je teste le goût de quelque chose. Goûter. Je goûte le gâteau que maman a préparé, par exemple. Ici, on a le tapir. Voilà, il se termine par IR, mais ce n'est pas un verbe parce qu'il est précédé par un déterminant. C'est un nom, celui-là. Le verbe, très bien, Youssef. Le verbe suivant, c'est battre. Battre,
c'est un verbe qui se termine par RE, donc c'est un verbe de troisième groupe. L'oreiller, la même chose, oreiller, précédé par le déterminant et l'apostrophe, c'est un nom, et ce n'est pas un verbe. Puis un devoir, est-ce que c'est un verbe? Voilà, on a le verbe devoir, tout seul. Mais puisque j'ai mis un devant devoir, donc c'est pas un verbe, c'est un nom. Faire, c'est clair, c'est un verbe. Maria, très bonne nuit ma chère. Tu peux revoir cette diffusion demain, Inch'Allah. D'accord? Je vais terminer le cours avec le reste des élèves. Bien sûr, s'ils ne vont pas aller se coucher eux aussi. Donc, on a dit faire, c'est un verbe. Voilà. Apprendre, c'est un verbe. Très bien. Vous avez bien répondu. Oui. Il y a aussi venir. Je viens, tu viens, il vient. Je viens de l'école. Ça veut dire je rentre de l'école. Merci Maria, merci beaucoup ma chère d'avoir participé avec nous. Tu étais magnifique. Bon courage. Oui, on a dit venir. Merci à toi, ma chère, avec plaisir. C'est à moi l'honneur, ma chère. Donc, on a dit venir. Le goûter, c'est pas un verbe. Vous voyez, j'ai un verbe qui est goûter et un nom, le goûter. Voilà. Très bien, Hidaya. Tu envoies des réponses, oui. Bravo tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est clair cet exercice? Tous les noms qui se terminent avec ER, IR ou bien RE sont des verbes, sauf ceux qui sont précédés par un, le et l'apostrophe, qui sont les déterminants. Ces mots-là, ce sont des noms. Je crois que c'est clair, d'accord? On passe à l'exercice suivant. Souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif sur ton cahier. D'accord? Merci à toi, Youssef. Je suis fière d'avoir des élèves comme vous. Wa alaykoum assalam. Un autre membre vient de nous rejoindre. Alors, on termine l'exercice. Souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif sur ton cahier. Alors, on cherche d'abord les verbes conjugués, puis on va dire c'est quoi l'infinitif de ces verbes. D'accord? Alors, le premier verbe, c'est quoi? Je pose la question à celui qui a répondu le dernier, à Youssef par exemple. Alors Youssef, c'est quoi le verbe dans dans ce texte, le premier verbe? Claire se dépêche car il ne veut pas être en retard. Elle met ses vêtements puis prend son petit déjeuner. Son père finit de boire son café et l'accompagne à l'école. D'accord? Alors c'est quoi le premier verbe? Qu'est-ce qu'il fait Claire?
Alors, Youssef, qu'est-ce qu'il fait clair? On dit que la réponse à cette question nous donne le verbe. C'est une façon de chercher les verbes dans les phrases. Se dépêche, très bien, avec accent circonflexe sur E. D'accord, Youssef? Se dépêche, très bien. C'est le premier verbe. Voilà, je le souligne. Alors, maintenant, Hidaya, quel est le deuxième verbe? Alors, on a dit, qu'est-ce qu'il fait Claire? Il se dépêche. Pourquoi Claire se dépêche? Oui, Yassir, très bien. Très bien, se dépêche, c'est un verbe pronominal parce que il y a se. Il est composé de deux parties, se et le verbe. Et c'est quoi se dépêcher? C'est accélérer ou bien aller très vite pour faire quelque chose. Alors, dans la deuxième phrase, il ne veut pas être en retard. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Lorsque vous ne connaissez pas le verbe, par exemple, dans cet exemple, on a une forme négative. Donc, ce qui est entre ne et pas, c'est un verbe. Très bien, Youssef. Très bien, Yassir. Veut. Veut, très bien. Veut. Il ne veut pas. Ou bien, elle veut. Si j'enlève ne pas, je vais écrire il veut. D'accord? L'autre verbe qui est conjugué dans la phrase suivante, elle met ses vêtements puis prend son petit déjeuner. Qu'est-ce qu'elle fait Claire aussi, encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait Claire? Elle. La réponse à cette question, c'est le verbe. Ou bien je mets la phrase à la forme négative et je vais écrire « Il ne met pas ses vêtements ». Il ne met pas ses vêtements. Ce qui se trouve entre « ne » et « pas », c'est le verbe. Très bien, Yassir. Bravo. Très bien. Je vais souligner le verbe veut, puis mais. Dans cette phrase, il y a un autre verbe. Bravo Youssef, on a dit mais, très bien. Puis, qu'est-ce qu'elle fait encore Claire? Elle. Oui, c'est quoi le verbe? Puis, prend son petit déjeuner. Puis, elle prend son petit déjeuner. Très bien. Younes, il y a un décalage entre nous, mais c'est pas grave. Dépêcher, oui. Se dépêche, se dépêcher. Yassir prend, très bien. Youssef prend, bravo. Oui, bravo, prend. Je souligne. Et la dernière phrase, son père finit de boire son café, finit de boire son café. Là, le verbe est clair. Et l'accompagne à l'école. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il fait quoi? Allez-y. Oui, Younes, se dépêche très bien.
Bravo Youssef, fini, elle finit, elle termine. Très bien Hidaya, il finit. Voilà, c'est le verbe conjugué. Voilà, le père finit de boire son café. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Il... On a dit, son père finit de boire son café. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Bravo Hidaya, accompagne. Très bien. Oui. Vouloir. D'accord Younes. Et si tu donnes l'infinitif, on cherche d'abord les verbes, puis on va donner l'infinitif. D'accord? Vouloir sans e à la fin, d'accord? Tu corriges Younes? Alors, on a dit son père finit de boire son café et l'accompagne. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'accompagne à l'école. D'accord? Et faites attention parce que ce L apostrophe, ce n'est pas un déterminant, d'accord? Il a certes la forme d'un déterminant, mais ce n'est pas un déterminant. Donc, il est attaché à un verbe. Il accompagne, il remplace Claire. Il accompagne Claire. Et l'accompagne. Je ne veux pas écrire Claire encore une fois dans cette phrase. Alors, je la remplace par L apostrophe. Et l'accompagne. Et accompagne Claire. Est-ce que c'est clair? Oui, Yassir accompagne. Très bien. Alors, on passe à chercher l'infinitif de ces verbes. Alors, pour le premier, c'est ce. Voilà, vous voyez, c'est la terminaison au présent d'un verbe de premier groupe. Il... ou bien elle se dépêche. Donc, ce verbe est un verbe du premier groupe. C'est quoi l'infinitif? Pour les autres, Younes, il a déjà répondu très bien. Pour les autres, c'est quoi l'infinitif de se dépêche? J'attends vos réponses. Alors, Youssef, on dit se dépêcher. Se dépêcher. Voilà, c'est un autre type de verbe que vous allez voir plus tard, qui sont toujours attachés à se dépêcher. Claire se dépêche, moi je me dépêche, toi tu te dépêches, d'accord? Ce sont des verbes pronominaux, mais c'est pas grave, c'est un cours que vous allez voir plus tard dans les années prochaines. Alors, se dépêcher, Yassir, se dépêcher. Bravo Hidaya, se dépêcher, très bien. Voilà, elle se dépêche, se dépêcher. Son infinitif, c'est se dépêcher.
Très bien. Il ne veut pas. Veut, son infinitif. Alors, je vous donne l'infinitif. Younes, il a déjà répondu. Vous devez l'apprendre par cœur, mes chers, d'accord? Elle veut, c'est vouloir. Bravo, Hidaya. Très bien. Bravo, Younes. C'est vouloir. Il veut. Il vous rappelle la forme des verbes qu'on a vu tout à l'heure. Il peut. D'accord? Il peut. Il veut manger. Il peut manger. Etc. Voilà, Youssef. Vouloir. Très bien. Le deuxième verbe, il met. Il met ses vêtements. Qu'est-ce que je dis? C'est je transforme la phrase comme suit. Il peut ses vêtements. Il peut. Je vais vous écrire la phrase pour mieux me comprendre. On va transformer la phrase et écrire. Elle peut. Des points. Vous allez remplir le vide. Voilà. Il peut. Ses vêtements. Voilà. On a utilisé peut pour chercher l'infinitif du verbe. Il peut ses vêtements. Qui a répondu? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Il peut mettre ses vêtements. Vous voyez? Comme ça, vous allez déduire que mettre, c'est l'infinitif du verbe de met. Il peut mettre ses vêtements. Ou encore, il veut mettre ses vêtements. Bravo, très bien. On passe à l'autre verbe. Merci à toi, Younes. Merci pour ta participation. Donc, Jalel, il peut mettre ses vêtements. Très bien. C'est une façon pour déduire l'infinitif des verbes. J'introduis l'expression « il peut » ou bien « il veut » ou bien « je peux » ou bien « je veux ». D'accord? Bravo, Youssef. Il peut mettre. Très bien. Parce que vous avez l'habitude d'écouter quand même ces phrases. D'accord? Il peut mettre, il peut jouer, il peut manger, il peut... D'accord? Puis, il peut son petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on dit? Il peut son petit déjeuner. Qu'est-ce que j'ai mis dans le vide? Il peut. Elle peut. Qu'est-ce que je mets à la place de prend? Prend. Il peut. Voilà, on cherche l'infinitif. Et ça, c'est une façon pour donner l'infinitif d'un verbe. Il peut prendre. Voilà, on dit il peut prendre son petit déjeuner. Très bien. Elle peut prendre son petit déjeuner. Très bien. Voilà, bravo Jalel. Yassir, Youssef. Très bien. Younes. Voilà, on dit prendre. L'infinitif de prendre, c'est prendre. Et qu'est-ce qu'il veut le père? Son père veut de boire son café. Veut. Est-ce que je dis veut fini? Non. Je mets l'infinitif de fini. Je veux, il veut, fi. Oui, Jalel, finir. Très bien. Voilà. Et il finit, son infinitif c'est finir. Il veut finir de boire son café. Hidaya, oui, il peut prendre son petit déjeuner sans thé, d'accord?
Sans santé, parce que c'est un déterminant possessif. Ce n'est pas le verbe être. D'accord? Tu corriges ma chère? Tu écris sans correctement? Très bien, Youssef. Finir. Puis, il veut. On dit quoi? Il veut à campagne. Il veut à l'école. Très bien. Bravo, Jalel. Bravo, Younes. Il a déjà envoyé les réponses il y a un moment. Oui, Youssef. Accompagner. Tu as oublié un C. C'est pas grave. Voilà. Tu veux finir tes devoirs. Voilà. Finir. C'est l'infinitif du verbe tu finis. Très bien. Kiki Yassir. C'est ça? Alors, accompagné. Très bien, Hidaya. Il peut prendre son petit déjeuner. Bravo. Alors, il accompagne. Son infinitif, c'est accompagné. Pour ce verbe, c'est clair. On voit la terminaison du verbe du premier groupe conjugué au présent. Donc, on peut en déduire que c'est un verbe du premier groupe. Il va se terminer par ER. Son infinitif va se terminer par ER. C'est clair, mes chers élèves? Alors, on va aller plus vite pour terminer en moins les exercices. Voilà le quatrième exercice. Dans un tableau, classe les verbes à l'infinitif selon leur groupe. Saluer. Je vais lire le verbe et vous allez m'écrire c'est quel groupe. Alors, saluer. Saluer, c'est quel groupe, mes chers élèves? Oui, Jalel, très bien. Premier groupe, très bien. Ah, oh, saluer Youssef. Qu'est-ce que tu veux dire par trois? Troisième groupe? Mais regarde bien Youssef. Voilà. Saluer. Saluer. Et se termine par ER. Tu vois bien? Oui, Hidaya. Premier groupe. Très bien. Alors, Youssef, c'est clair maintenant? Saluer. Tu vois ER à la fin. Bravo, Youssef. Yassir, bravo. Premier groupe. On passe au deuxième verbe, si vous voulez. Suivre. Suivre. Il a la forme de quel groupe? Voilà, la terminaison c'est RE. Alors, c'est quel groupe? Très bien, Jalel, c'est troisième groupe. Oui, troisième groupe. Parce qu'il se termine par RE. Oui, Youssef, bravo, parfait. C'est un verbe de troisième groupe. Puis, on a prendre. On passe au verbe suivant, prendre. Il se termine aussi par RE. RE. Oui, Yassir, troisième groupe. Très bien, bravo. Bravo, Younes. Je suis en train de répondre à la question précédente, c'est pas grave. C'est un décalage, je comprends ça. Hidaya, troisième groupe, très bien. Parfait. Oui, prendre, c'est un verbe de troisième groupe, très bien, Youssef. Jalel aussi, très bien. On passe maintenant au verbe suivant. Arrêter, arrêter. Vous voyez la terminaison, ER. ER, c'est un verbe du...
Très bien, Jalel. Très bien, Hidaya. Très bien, Youssef. C'est un verbe du premier groupe. Voilà. Au moins, les verbes du premier groupe sont faciles à apprendre. C'est ça, mes chers élèves. On a le problème avec les verbes du troisième groupe, mais vous allez les apprendre avec le temps. Donc, on a choisir. Choisir, il se termine par IR. Je dois le conjuguer avec nous pour déduire. Est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ou bien c'est un verbe du troisième groupe? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous choisis. Bravo Yassir, oui, un verbe de premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour choisir? Nous choisis. Allez, pour maîtriser la règle qu'on a vue tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit? Nous choisis. Quelle est la terminaison que je dois... Nous choisis. Oui, Youssef, Jalel, Hidaya, un verbe de deuxième groupe. Très bien. Alors, dites-moi, je dis quoi avec nous? Nous choisis. Nous choisis. Nous choisis. Écrivez-moi la terminaison. Choisissant. Très bien, Jalel. Oui, donc je dis que c'est un verbe de deuxième groupe. Bravo, Yassir. Bravo, très bien. Alors, on passe au verbe suivant, dire. Il se termine par RE. Alors, je dis automatiquement qu'il appartient. Youssef a répondu très bien au troisième groupe. Jalal aussi. Youssef, oui. Choisissant. Choisissant. Donc, c'est deuxième. C'est ça, Youssef. Voilà, très bien. Très bien, Yassir. Donc, dire, c'est un verbe de troisième groupe. On va aller plus vite. Faire, aussi, c'est facile. Faire, aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Très bien, Hidaya. Tu ajoutes un S. Oui, Youssef, très bien. Troisième groupe. Faire appartient au groupe, au troisième groupe. Bravo, Yassir. Maintenant, venir. Qu'est-ce que je dis pour conjuguer venir? C'est un verbe facile quand même. Je de l'école. Qu'est-ce que je dis? Ou bien nous? Ou bien nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous. Est-ce qu'on dit... Voilà, voilà Hidaya, Jalel et Younes. C'est un verbe de troisième groupe. On ne dit pas nous venissant, mais plutôt on dit nous venant. Très bien, Jalel. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Nous venant. Il ne suit pas la règle deuxième groupe. Pardon. On passe au verbe suivant, entrer. Entrer. C'est clair, c'est facile. Il se termine par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Très bien, Jalel. Très bien, Youssef. Très bien, Yassir et Younes pour la question précédente. Très bien. Parfait, je suis fière de vous. Vous vous débrouillez bien avec ce cours. C'est déjà pas mal. On passe au verbe suivant, partir. Partir. Est-ce qu'on dit nous partissons? Est-ce
Quand on dit nous partissons, est-ce que je dis je partis, tu partis, nous partissons, vous partissez? Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu un verbe comme ça. Lorsque je vais dire que je veux partir, par exemple, je veux partir à l'école, je pars à l'école, je dis je pars à l'école. Jamais je dis je partis à l'école. Bravo Yassir, je dis je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. C'est la conjugaison correcte. Parfait, très bien. Alors, qui a corrigé? Voilà, Jalel, oui. Partir, c'est un verbe de troisième groupe. Très bien, Hidaya. Très bien, Yassir. Voilà. Très bien, Youssef. Et Younes, oui, on dit nous choisissons, oui. Et le dernier verbe, c'est gémir, gémir. Est-ce qu'on dit nous gémissons? Réfléchissez bien. Jalel, il a répondu, c'est un verbe de deuxième groupe. Très bien, Youssef aussi. Voilà, c'est quoi gémir? Alors, gémir, mes chers élèves, c'est pousser de petits cris, d'accord? Ça veut dire crier pour se plaindre, d'accord? Lorsque quelqu'un, par exemple, à l'école, te vole ton goûter, par exemple, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gémir, c'est ça? Alors, on dit nous gémissons. Rappelez bien de ce verbe. Voilà, c'est un autre verbe de deuxième groupe que vous venez d'apprendre. D'accord? Nous gémissons. C'est un verbe de deuxième groupe. Voilà. Yassir, qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est oui? D'accord. Maintenant, tu comprends c'est quoi gémir? C'est pousser des petits cris pour se plaindre. D'accord? Oui, Younes, très bien, c'est un verbe de deuxième groupe. Et voilà le tableau, je vais le visualiser sur l'écran. Voilà, on a dit les verbes de premier groupe sont saluer, arrêter, entrer. On a trouvé dans cette liste deux verbes de deuxième groupe, choisir, gémir. Et enfin, une grande liste de verbes de troisième groupe, suivre, prendre, dire, venir, partir, faire. Il y a des verbes qui se terminent par RE, il y a d'autres qui se terminent par IR. D'accord? Pardon, qui se terminent par RE et d'autres qui se terminent par IR. Voilà, Hidaya. Maintenant, tu comprends c'est quoi gémir. Très bien. Et rappelle-toi bien que c'est un verbe de deuxième groupe. Il se peut que tu le rencontres à l'examen. Voilà. Je crois qu'on a sauté cet exercice.
Pardonnez-moi un petit moment. D'accord, c'est pas grave. Alors, essayez de ne pas regarder l'écran. Écoutez-moi. Alors, vous remplissez, c'est quoi? Son infinitif. Vous remplissez. C'est quoi son infinitif, mes chers élèves? C'est remplir, mais tu n'as pas bien écrit remplir, Jalel. Écris correctement remplir. Alors, remarquez que la terminaison, c'est quoi? C'est IC. C'est la terminaison d'un verbe de deuxième groupe. D'accord, on va modifier l'exercice un petit peu. Voilà, remplir. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe ou bien deuxième groupe ou bien troisième groupe? D'après la terminaison. Bravo, Jalel, c'est un verbe de deuxième groupe. Oui, bravo. Parce que la terminaison c'est IC. Très bien. Hidaya, sentir le deuxième verbe. Très bien, Youssef. Très bien. Donc, remplir, c'est un verbe de deuxième groupe. Nous sentons. Voilà, c'est le verbe sentir. Alors, vous allez me dire. Il appartient à quel groupe? Nous sentons. On a dit que c'est sentir. Il se termine par IR, mais est-ce qu'il se termine ici par ISON? Oui, Jalel. Non, 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 non. C'est pas un verbe de deuxième groupe. Est-ce qu'on a dit nous sentissons? Si j'écrivais nous sentissons, j'aurais pu dire, Jalel, que c'est un verbe du deuxième groupe, mais ce n'est pas le cas. C'est nous sentons. D'accord, tu as corrigé, bravo. L'essentiel, c'est que tu comprends la règle. Oui, Hidaya, troisième groupe. Oui, Youssef, troisième groupe. Très bien. Sentir, c'est ça? Oui, c'est un verbe de troisième groupe. Puis, il y a elles agissent. Elles agissent. Lorsque vous voyez, mes chers élèves, c'est cette terminaison. I-S-O-N-S, I-S-O-N-S, I-S-E, I-S, avec un T. Automatiquement, vous comprenez que c'est un verbe de deuxième groupe. Voilà, c'est agir, un verbe de deuxième groupe. Très bien, Yassir, très bien, Jalel. Bravo. Puis j'ai tu finis. Très bien. C'est finir. Il appartient à quel groupe? Voilà, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. C'est un verbe de deuxième groupe. Oui, bravo. Youssef, Hidaya et Jalel. Yassir aussi, très bien, bravo. Et pour finir, ils viennent. On a vu ce verbe tout à l'heure, c'est le verbe venir. Est-ce qu'on a dit ils venissent? Non, pas du tout. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. Parfait, Yassir. Très bien, Jalel.
Voilà, venir, c'est un verbe de troisième groupe. Alors, Yassir, tu parles de quel verbe? Pardon? Voilà, pour Younes, il y a un décalage. Très bien, Hidaya, un verbe de troisième groupe. Très bien. Voilà, avec cet exercice, on a terminé le cours d'aujourd'hui. J'espère que le cours était utile pour vous. Oui, Younes, troisième groupe. Yassir aussi, très bien. D'accord. Yassir, venir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, je vous dis merci de votre attention. Merci pour le temps que vous avez accordé à cette diffusion en direct. Vraiment, j'ai l'honneur d'avoir des élèves comme vous. Je suis fière de vous, un par un. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne chance durant cette semaine des contrôles et dans la semaine des examens. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Très bonne nuit à tous. À bientôt, Inch'Allah.